Salut tout le monde, ici Sam Jal, bienvenue à l'épisode 33 au 5e GP 2019, aujourd'hui on est rendu au 16e Grand Prix en cours à Afyonkarahisar en Turquie aujourd'hui, et ensuite ça va être c'est bien courir aujourd'hui, et ensuite le prochain épisode, la 34e qui devrait normalement être la dernière si tout va bien, ça va être en Chine, à Shanghai exactement, on va courir, pour aujourd'hui on va commencer par cette course aujourd'hui de Afyonkarahisar en Turquie. Il me semble que le circuit est quand même bien. Je me souviens pas exactement, mais il me semble que c'est un bon circuit que j'aime bien faire quand même. On va essayer de continuer là-dedans pour terminer ça. C'est une bonne carrière là-dedans. J'aurai d'autres petits trucs peut-être un petit peu plus tard. C'est mieux que j'ai pu le midi, mais pour l'instant, ça va être la fin. Ça, pour après le 17e épisode, évidemment. Et on démarre ça tout de suite cet épisode aujourd'hui. Sur notre piste, on va se placer directement. On va essayer de débloquer cette course bien comme il faut. Parce que ça va donner plus ça. Je vais bien courir aujourd'hui. Et là, on va se rendre sur notre tracé. Et voilà. C'est parti. C'est bien démarré cette fois. Un petit peu trop vite, par exemple, encore. C'est de passer le premier de salle ici. Qui... Par exemple, ici, j'allais un petit peu trop rapidement, par contre. On vient maintenant. Je monte dans le classement. On va par ici quand même. Juste ici, 5e probablement. Et voilà, je me bute juste ici. C'était l'erreur qu'il fallait. Et je me ramasse complètement dernier. Je me ramasse bon dernier, comme on dit. Et on repart vers ici. Il y en a qui se plantent ici. Moi, je prends l'extérieur. Et c'est parti vers ici. 20e maintenant, j'ai pris deux positions. On monte vers ici maintenant, un petit peu. Suite ici, un petit peu ici. Mais je n'ai pas réussi à faire, finalement. Bien appuyé sur le bouton. Et chaud vers ici maintenant. Un point d'atterrissage. Ça va vers ici. Côté. Et c'est reparti vers le haut là-bas. Là, j'ai passé le Seaworld ici. J'ai tombé pour Paulin ici. J'ai récupéré tout de suite. Est-ce qu'on part là quand même? Moi, je vais faire attention par ici. Pour se planter, faire d'accident. Il est maintenant 10e maintenant. J'ai pris deux places ici. Le 8e. Je crois que c'est tombé derrière moi et devant moi. C'était très, très spectaculaire à voir cet accident. Je suis par ici. Oui. Oui. Les trois premiers, ça s'en vient bien. Après, on a par ici quand même. Un petit peu ici que je fais très bien quand même. Monter par le saut du grand, hein, pas prévu. Là. Et c'est parti vers là-bas, faire attention par ici. Et c'est parti. Une vitesse extrême. Et c'est parti vers là aussi. On saute ici. On saute ici encore. 5e toujours ici. 4e place maintenant. Ici, et je me ravance en 3e finalement ici. Et voilà, c'est bien déroulé le virage. Les verts devant moi ici. Early était en première position, comme à l'habitude. Early c'était dans ce grand prix, dans ce championnat cette année, il est toujours en bonne position quand même. Et voilà, on passe par-dessus ici. On passe les verts juste ici dans le coin. On va venir me repasser ici. Et oui. Ici et on s'est reparti par là-bas. On est encore 2e ici présentement. On passe par là. On est parti vers ici. On passe sur ligne juste ici. Et attention par là quand même. On saute ici bien comme il faut. Derrière Erling qui est très près. Extérieur un petit peu ici et je me prends complètement à l'extérieur et on a ici vient me redépasser juste ici grand derrière qui se rapproche aussi le tour à faire tous les deux je la redépasse juste ici on
matin, j'imagine, parce que ma marque moi tout de suite. Et oui, j'ai pas pu garder ma vitesse, j'ai glissé un petit peu trop. C'est par ici tout de même, et c'est parti vers le haut maintenant. Et voilà par ici, dans ce cours-là. J'ai ici un bon atterrissage, un peu plus loin. Et je suis reparti moi aussi. On va aller un petit saut ici. Et voilà, Erling, on essaie de près de le rattraper, mais on n'y arrive pas. On n'arrive pas à le dépasser. Et voilà, je le refais ici un petit peu. Il est toujours très près derrière. Et je me prends quasiment le panneau en pleine gueule. Parce qu'il va sûrement me faire prendre un petit peu plus la tête. Et je suis encore premier pour l'instant, mais il est toujours très près derrière. Super ici. Erling qui est deuxième, mais il est vraiment prêt. Il s'est rapproché un petit peu, mais pas tant que ça. J'ai pris un petit peu l'avance sur lui dans ce bout-là. Super ici quand même. Super ici aussi. On se prend à l'extérieur. Erling qui reprend la première position ici. Pas loin derrière par contre. Il a quand même pris la première position. Un saut ici, bien pris. Je reprends la pole juste ici. Mais Erling qui est très près toujours. Je lui prends par ici, un petit whip ici. Quasiment atterri en voilé, mais tout va bien. Je vais être un petit peu rapidement par ici. Je vais partir par là. Un petit peu par ici, mais tu vois bien, dernier tour à faire maintenant. Un petit whip ici, mais je me prends un petit peu extérieur. Et on est de passe ici. Et je reprends la tête tout de suite après. Compétition devant, là. Moi et Erling, on se fait la course pour la tête. Je vais partir par ici tout de plus rapidement. Un petit whip de l'autre côté. Un petit peu manqué en fait. Erling qui reprend la première position encore. Grand derrière qui était très près lui aussi. Il est parti par ici. Erling est toujours devant. Erling qui avait un démarre passé quasiment. Qui est très près à côté de moi. Ici quand même. Ce qui me redépasse. Me redépasse juste ici en plus. Une fin de course quand même assez serrée. On saute ici. Et quelle fin de course serrée ici. Erling qui s'est ramassé en troisième position finalement. Erling qui a pris l'avance sur lui. Quelle fin de course serrée pour cette première course. Ce Grand Prix de Turquie. J'ai vu que j'ai pris de Turquie comme on dit. En Afon Karahisar, si je dis bien, je me souviens plus comment c'était écrit. Maintenant, on va poursuivre avec la deuxième course de ce Grand Prix-là. Ça va bien long, mais on s'y rend justement. Chargement qui devrait pas être très long encore, là, ça devrait pas être vraiment long. Avant qu'on y arrive justement dans ce truc. Bon. C'est 15% maintenant. Chargement est quand même long finalement. D'un coup, 60%. C'est quand même bien celle-là. Là. C'était un. Ça en vient bien, on avait d'avoir chargement au fond là. De terminer ce championnat quand même avec un bon mois de carrière, c'est MXGP 2019. J'ai bien aimé ce jeu, j'ai été surpris quand même par la conduite, j'ai bien aimé ça. Et j'ai essayé récemment Monster Energy Supercross 2 et j'ai bien aimé aussi, donc on va avoir un mode carrière qui va s'en venir normalement pas long là-dessus. Mais ce qui va être plus près, ça va être NHL 20 qui va s'en venir vraiment à grands pas là. Sur ma chaîne, ça s'en vient vraiment vite là. Quand même pas quelques jours, vous allez l'avoir, c'est pas très long.
que là, aujourd'hui on est le 6, je crois, ou le 7 plutôt. 7 décembre, donc on va en avoir vraiment dans pas long. Est-ce qu'on dit que j'aurai un petit congé pour les fêtes? Je sais pas. Regardez ça, avec mon horaire. Petite pause. Je sais peut-être qu'il y en aura peut-être pas, non plus, de pause. Pour jouer, il faut que j'enregistre, parce que sinon je joue pas avec le jeu en même temps. Je découvre les jeux en même temps que vous. Je vais pas enregistrer. Tous les jeux que je veux enregistrer en fait. Continue NBA 2K20 aussi qui s'en vient rapidement aussi. Prochaine carrière Career Ring, mais on sait tout. Débuter un nouveau genre de mode carrière. Comme on dit. En ma ligue, c'est un truc qui est juste pour faire différent. Des nouveautés, vous allez voir, ça va être bien spécial. Vous allez voir, ça va être qui, je vais vous faire la surprise. Sur quel joueur ça va être. Je vous donne juste une petite description de lui, un indice. C'est une légende du basket. C'est un très bon joueur. Il a pris sa retraite deux fois. C'est seulement ce que je peux vous dire. Je vous en dis pas plus. Si vous connaissez bien la NBA, vous allez savoir de qui je parle. Il a terminé dans les années 2000 environ. Sa carrière, donc. Bon, on revient dans la course maintenant. Arrêtez de bavarder un petit peu. Il y a des trucs qui ont vraiment rapport. Si on regarde présentement. On va continuer la course maintenant, et voilà, on va continuer juste ici, bien comme il faut, ici, sauter par-dessus. Ici, j'ai pris un bon début de course, comme vous voyez, là. Je suis en première position dès le début. J'ai une bonne avance quand même aussi. J'essaie de conserver ça. On a un tour de compléter ici. J'ai presque un tour de compléter. Oui, sauf que le temps n'est pas mis en haut, parce que c'était le premier tour, c'est pour ça. Il n'y a pas de meilleur temps d'écrit. C'est reparti par ici maintenant. Virage bien pris ici. À la fin, on a celle-là, parce que pour l'instant, on était bien parti pour rester en première position. C'est quand même pas si loin derrière non plus, mais c'est assez loin. Une bonne avance pour la fin. On partit par ici, bien comme bien, à une bonne vitesse à fond. Reste aussi. C'est pour nous aussi, un petit whip ici. On a une vitesse un petit peu, on dirait. L'extérieur ici, mais je reviens tout de suite sur le circuit. Un atterrissage ici. C'est encore là quand même. Il faut pas de vitesse non plus. Passons par ici. Virage très rude, très serré ici. C'est bien le prendre. Il faut quand même attention dans ce virage. On tourne rapidement. Vraiment rapidement par ici. On ne trouve pas si c'est qui s'est bien pris. Et voilà, c'est reparti vers là-bas. Vitesse sur les bosses. Une deuxième tour qui est presque complétée. C'est par ici. On monte sur la butte ici. On a un petit peu de temps ici, mais tout va bien. On n'a pas tombé rien. On n'a pas sorti du circuit rien. On n'a pas été. Et il n'y a pas une réapparition comme des fois. Et qu'on prend tout l'extérieur, c'est qui a bien fait. Un atterrissage ici après le whip. Les whips, c'est des choses que j'aime bien faire dans le jeu. C'est pas de saut de style, mais c'est quelque chose de bien quand même. Passons par ici. Et voilà, c'est reparti vers là-bas. Passons par ici. Et voilà, on ralentit par ici et on reprend vers le haut. Passons par ici quand même. Accélère par là maintenant. On saute ici. Bien comme il faut en fait. Passons par là pour se buter comme on dit. Et voilà, un petit whip ici. Un bon atterrissage quand même. Petit vélo, j'ai mis un petit peu extérieur, mais tout va bien. Il y a eu tout à faire maintenant. J'ai oublié de le dire, mais j'ai voyé de toute façon, donc c'est moins grave que je ne le dise pas. C'est pas ici. Et voilà, on part vers le haut. C'est par ici. Et on repart vraiment rapidement, juste ici après. On ralentit un petit peu par ici. On va aller trop rapidement non plus. Et c'est parti vers là. Bonne vitesse.
vitesse dans le virage ici. On dérape un petit peu, mais tout va bien. Un bon saut ici qui se prend vraiment bien. Et maintenant, dernier tour à faire dans cette course qui s'est bien passée. J'ai pris l'extérieur cette fois et j'ai perdu quelques instants ici. On va tirer vers là-bas par contre. Récupérer l'erreur que je viens de faire ici. Et aller vraiment rapidement pour le sein de la course. Je vais prendre encore une bonne avance pour tout à l'heure. C'est encore bonne malgré tout, on va essayer de continuer comme ça. Je la prends bien comme il faut. Dernier tour qui est embranché. Il fait 30-40 secondes environ. Le tour est commencé, donc ça s'en vient quand même bien. Encore une minute de tour. On saute ici. On saute ici encore. On va l'atterrissage juste ici. C'est parti vers le haut juste là. Et c'est ça, on saute ici bien comme il faut. On tourne ici, sans perdre de temps. Premier et deux petits sauts quand même. Et trois en fait. On accélère beaucoup par ici. On va perdre de temps. Une 20 maintenant. Au tour environ, je dirais plutôt une 20, une 18, 17. Pas loin d'une 20. On va y aller avec une 20. On va dire ça comme ça. Attention par ici quand même. On saute par ici maintenant. Encore par là. On saute par ici. On saute ici. Ici encore. On va ralentir un petit peu quand même. Là. Voilà, on saute ici. C'est ce qui termine cette deuxième course. C'est ce Grand Prix. C'est le 16e Grand Prix. Pour CMXGP 2019. C'est un jeu qui est presque terminé. Il va rester une course par la suite. Et ça va être la fin, je crois. C'est ça. MXGP, mode carrière, il va y avoir d'autres choses, c'est pas le mode carrière par exemple. Mais ça va être autre chose. Et voilà, on va sortir d'ici maintenant. On fait Earlings, qui est toujours deuxième dans le classement. Anthony Caroli qui est troisième. Quand même une bonne avance, l'autre en dessous, donc. On fait Earlings qui est premier malgré qu'il n'y a pas de victoire encore. Et on sort d'ici maintenant. Et voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!